Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre commandant Biggie qui vous parle. Bienvenue sur Airflag pour une petite escale sur Batman Arkham Knight devant son pire ennemi, l'ordinateur du docteur Kirk de Kirkman. Cet ordinateur contient toutes les recherches du docteur Langstrom. Et son fameux ADN. Donc on allait le checker online, je suis allé le checker sur YouTube. Et normalement, je sais comment ça marche. Donc en gros, il fallait éviter. Faut retourner chaque brin d'ADN, donc celui de gauche et celui de droite, pour éviter que les brins de couleur ne touchent le Mélanger sol. son ADN à celui d'une Je chauve-souris sais pas si c'est très vampire, clair ce que je viens de raconter, ça ne mais pouvait que mal finir. Si je cherche dans ses fichiers, normalement je je pourrais devrais peut-être réussir. créer un antidote pour lui rendre son état normal. Je dois isoler la signature ADN de Manbat et la supprimer de l'ADN de Langstrom. Ok, pour l'instant ça marche. Oula. Non, non, ça marche là, ça marche. Aucun problème. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Voilà, Merci mesdames et j'ai créé un messieurs. échantillon ADN Tous vos pur. applaudissements Il nourris. ne me reste plus qu'à lui faire prendre son Batman le médicament. scientifique. Il réussit là où Kirk, Alfred, Docteur Kirk a j'ai échoué. synthétisé le remède dans le laboratoire de Langstrom. Je n'ai plus qu'à le trouver. Avez-vous une idée d'où il se cache? Il ne contrôle pas ce qu'il fait. Il peut être n'importe où. Personne ne connaît mieux la ville que vous, Maître Bruce. Vous le trouverez. Ok, progression track. Oh! Quoi, mais il y avait un cadavre sous mes yeux depuis tout à l'heure. Oh! C'est Madame Kirk. Qu'est-ce qui t'a fait, ma pauvre? Traumatisme contondant au niveau du crâne. Langstrom ne savait pas ce qu'il faisait. Dis-leur ce que tu as fait. Bonjour à tous. Non, c'est pas mon élève. C'est bien, chérie. Reste toi-même. Ok. Je vérifiais quelque chose d'important. Reconstruction génétique totale est une réussite. Les molécules recombinées, chérie. Tu recommences là. Putain, mais c'est le même message dans tout le coin, dans tous les coins du labo. Tu étais parfait, man. Ça enregistre, chérie? Oui, je Bon, crois. qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'il faut se casser. Ah, on va se faire attaquer direct. Oh! Sa femme, tes parents. Tu peux m'expliquer comment la mort des proches peut transformer en rongeur géant? Il est déjà plus là. Bon alors les mecs, je vous le dis, ça sent l'épisode du Scare Jump. On est parti sur la mission de comment ils appellent ça déjà? Ah bah c'est l'élection de mission, bah très bien en plus on va. De la créature de la nuit. Ah, la mutation de Manbat. Ok, mais ok, en fait depuis le début là c'est la collection des copieurs, des mecs qui ont pas de personnalité. Ok, on peut pas faire Manbat, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Localiser Manbat. Guérir Kirk. Progression d'affaires. Pourquoi je peux pas faire? La créature chauve-souris se cache. Quand elle sortira, je serai prêt. Il faut que je la recroise. Ça va être du hasard. Ça va très bien. On va pas Voyons ce perdre de qu'un temps, on va Nightwing sur continuer. North Refrigeration. Si je trouve le pingouin, je Et on trouverai va le chemin péter du la gueule à vainqueur. un autre de nos. Tout à fait, monsieur. Maître Un autre de Grayson nos vous fans. attend en haut du bâtiment qui surplombe la gare maritime de Tous les mecs qui se déguisent en nous, c'est ouf. Pas avoir déjà tué un pompier. Sérieux? Oh, il y a Ça des pompiers dans le coin. m'étonnerait. Non, j'ai tué des flics, des infirmiers, des gardes-côtes. Ah, attendez, attendez. Il y a un petit pompier dans le coin. Les émeutiers ont pris les pompiers en otage et se sont Oh. éparpillés dans la ville.
Je vais les traquer et ils vont tous payer jusqu'au dernier. Les pompiers, il était où le pompier? Regarde-moi quand je te frappe, espèce d'enfoiré! Qu'est-ce qu'ils font à ce pauvre pompier? Ce pauvre pompier. Oh, toi, mange. Laissez les pompiers tranquilles. Qui sort de Mad Max. Comment tu t'appelles, petit pompier? C'est le pompier Ashley. Madame! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. Votre camion a été attaqué. Vous et votre équipe avez été pris en otage par des émeutiers. On est cuit, Batman. Même vous, vous ne pourrez pas sauver Gotham. Je trouverai votre équipe, coûte que coûte. Merci pour les encouragements, bâtard. Un agent va venir pour vous conduire au GCPD. Oh, bien joué, Batman. Petite insulte cachée. La mérité. Alors, sélection de mission, on est reparti. Sur la cité de la Terre. Voyons ce qu'a Nightwing sur North Refrigeration. Si je trouve le pingouin, je trouverai le chevalier d'Arkham. Tout à fait, monsieur. Maître Grayson vous attend en haut du bâtiment qui surplombe la gare maritime de Raccoon. La chauve-souris, c'est là ! Cher Batman. Ouais, je vais prendre cher. Qui va me mettre cher, hein ? Ouais, personne. C'est bien ce que je me disais, personne. C'est quoi cet engin ? La chauve-souris ! Demi-tour ! Go, go ! Petit 360 qui fait peur aux ennemis. GCPD à votre droite. Ennemi droit devant. Sur les toits? Tu n'aurais pas dû venir. Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi? Quand j'ai su pour Barbara... North Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Je t'appelle Dickman. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Hein. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Quoi? Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce. Laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. A bientôt, Bruce. Ah, le mec, c'est juste un livreur. Nightwing, le livreur. Bah, les mecs, je vous le dis direct. Ça me fait pas chier parce que... J'ai jamais vu Nightwing. Je sais qu'il existe, mais... Moi, je regardais Batman, le dessin animé, là. Batman... Ouais, bah, le truc des années 90. Qui passait sur France 3. Dans Batman, la trilogie de Batman, n'y est pas. Dans les films, pardon. Je
parlais plus clairement dans la trilogie des Batman de Nolan. Je peux désactiver leurs armes grâce à la fonction sabotage du brouilleur. Il n'y a pas de Nightwing. Ensuite, allez-y. Enfin plutôt avant ça. Avant. La première, c'est... Je n'ai droit qu'à trois tirs. Plus parler, je bon. Dois bien choisir mes cibles. T'as été payé. De quoi tu... Quelle tristesse. Des malfrats à la petite semaine qui se mettent à travailler ensemble. C'était pas comme ça de mon temps. On respectait les règles. L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Carré. Ok, je commence. Je me rappelle quand le pingouin nous a recrutés. Il s'est pointé, il nous a offert un gros paquet de fric si on bossait pour lui. Il avait l'air sympa. C'est vrai? Non, il est complètement dingue. Toujours à vouloir récupérer ce qui lui appartient, ou tout rafler. La caisse est électrifiée. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Donc en gros pour moi, Nightwing n'existe pas. Hein. Il n'était pas dans. Il dit que ça inspire le respect. Dans. Ouais, putain, je cherche le film des années 90 là avec. Et toi alors? Pardon, je vais essayer de toucher le micro. Avec Jack Nicholson. Ouais. Et même si c'était pas le cas, je te le dirais pas. Avec. Pardon, désolé, je touche le micro. Le pingouin est flippant, je te l'accorde. Mais double face. Imagine un peu. Double à face. Chaque fois que tu vas le voir, tu te ouais, dis donc, que t'as une chance sur deux d'y laisser ta Jack peau. Nicholson, George Clooney. Putain. Il y a le pingouin, il y a Freezer. Oh là, il est costaud, lui. Ouais, donc dans les films des années 90 pour enfin terminer. Oui. Merde! Attendez. Ouais, il se tape contre Freezer, contre le pingouin, contre Jim Carrey qui est l'homme mystère. Donc voilà, tout dans tous ces films-là qui pour moi font un peu le. Comme on dit depuis 2010, le canon de Batman. Il n'y a pas de Nightwing. Pour moi, c'est une invention. Donc s'il n'est pas dans les combats, c'est pas une grosse perte. Voilà, je terminais ce que un je voulais dire. On peut enfin jouer. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Oui. Bien. Je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Qu'est-ce que t'as oublié? Non, c'est Batman! Dégage vite de là! Le bruit de la subtilité marche à tous les coups. En restant sur les toits, je pourrais les suivre jusqu'au dépôt d'armes cachées du pingouin. Le marquage du véhicule reste effectif, et ce, même à travers les bâtiments. Mais il faut que je garde la cible en vue et à portée. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de nous tuer? C'est Batman! Il faut qu'on se tire des ailes! Où est-ce qu'on va? On rentre à la planque! Non mais ça va pas! Ça le mènera tout droit à Cobblepot! Alors je fais quoi? Quand on peut rouler, on réussira peut-être à le semer! Est-ce que tu le vois? Je conduis là! Ok, je le vois pas! Tu crois qu'on l'a semé? Mais qu'est-ce que j'en sais? Continue à regarder! Il faut qu'on en soit sûr avant de rentrer! Pourquoi il faut qu'on soit coincé ici avec Batman? Tant mieux. Retourne à la planque avant qu'il nous retrouve. J'y crois pas. On a réussi. Batman, tu parles. Complètement surfait. Même contre ce tas de ferraille, il a rien pu faire.
Personne vous a suivi? Batman a non, personne. À part ce truc bizarre dans le ciel. Armé comme un DJ Joe. Oula. Ah, direct. C'est bon, regardez. Allez. Je sens que j'ai avoir besoin de ma Batmobile. Oh, c'est moche. Le rideau métallique est verrouillé. Je dois trouver un autre moyen d'entrer. Le toit est lourdement gardé. Ce doit être le point faible. Ah oui, d'accord. Faut reconnaître que la fille du commissaire a du cran. Elle avait pas peur. Quand elle s'en est prise au chevalier, là, j'ai cru qu'il allait la buter sur place, propre et net. Quelque chose me dit qu'il compte plutôt servir d'elle. Oh, il est chaud. Allez, avec un peu de chance, ils vont tous se ramener ici. Oh, j'avais quoi? Ces pauvres crétins l'ont conduit jusqu'ici. Qui c'est qui l'avait semé? Magnifique. Par là. Mais non, Batou. Qu'est-ce que t'as fait? La zone était si bien. Il est temps de faire un saut, j'ai comme un pote. Putain, on est dans la merde. Oh. On a récupéré un peu de santé entre temps. On est un peu moins dans la merde que ce que je pensais. Qui es-tu, toi? Allez, fais quelque chose. Tu me fais un peu honte, là. Allez, une plus grosse boîte, là. On fait quoi pour Batman? Batman, ne t'en fais pas, Batman. Les jolis billets. Bien tout ouais, on l'a semé. C'est un minable. Ouais, ils comptent les billets, les mecs. C'est un beau métier. On le surestime. Enfin bref, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Comme vous le savez, ça me fend le cœur. Ça c'est bon. Penser. On s'est associé aux autres par jour. Regardez-moi ça. Tous ensemble. Je sais, ça a été dur. Non, mais il faut voir que j'accorde de l'argent. On est plein aux as. 40. Je crois même que je vais me faire plus que ça. Regardez ça. Putain, y'a un mec qui me parle en même temps là. Ils sont tous à... Ferme ta gueule, man. Et notre part, alors
Le boss parle. T'inquiète pas, petit. Tu auras ça, c'est pour moi. Pense. Vous avez d'autres questions stupides du même genre? On fait quoi maintenant? On attend. Continuez à fournir tous les tocards qui se pointent avec nous. Cet arrangement avec les montagnes, c'est du court terme. Le clown est mort. Et Batman va bientôt suivre. Gotham sera alors à notre merci. Je compte bien en profiter. Je veux la totale. Pour chaque personne qui pose les yeux sur la ville. Vas-y, mec, génial. Dégage, t'es je sais même pas que tu es là. C'est vas-y, vas-y, casse-toi, vire ton pied de là. Arkham City, moi je veux qu'il crève et lui braque des bancs. Alors. Le chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle la captive, la petite fille chérie des commissaires. Oh, dur. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Allez. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. C'est dirigeable au-dessus de la West River, ils sont tellement... Oh, ils chargent des flingues, les mecs. Relâche-le. On va tirer, Batman. Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tenez-le bien. C'est un plaisir, monsieur le pingouin. Admirez ça. Je vais lui démonter la tête d'un seul. Oh, il m'a pas écouté. C'est comme ça que tu gères la situation? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. Tiens, je t'ai fait la passe. Ah oui, d'accord. Oh, magnifique. Allez, cadeau. Oh, je vais appuyer pour esquiver, je vous jure. Peut-être un peu trop tard. Bon, on a 6 points. Ce qui est déjà beaucoup mieux. Multi-élimination par intimidation. Ça coûte 6 points, malheureusement. Élimination avec le grappin. Gripper un rebord à l'ennemi grappin, puis exécuter une élimination. Ouais, c'est pas con ça. C'est pas con parce que je peux le faire une première fois, me casser, revenir, le refaire. C'est pas mal. Plonger vers le sol en boulet de canon, bien sûr. Je suis pas suicidaire. Okay. Contre les armes à feu. Allez, pourquoi pas. Ça vaut qu'un point. Ah, pourquoi pas, ça vaut que 2 points. Et là, maintenant, j'ai plus que 2 points à dépenser. Arme de la Batmobile, n'importe quoi. Lucius, il me les améliore gratuitement. Combat.
Ah oui, toujours ces trucs-là. Vol d'armes. Batman, il prendra jamais les armes. Combo spécial, Batarang. On va garder ces deux points pour plus tard. Ah, un gadget en plein an. Pas si bien que ça. Ça, c'est très bien, ça. Et on va garder le dernier point pour plus tard. Vous doit être détruit. Attendez. Ok, on va pouvoir y aller. Alors, le dépôt d'armes. Oh, là, c'est son dépôt d'armes. Oh! Qu'est-ce qu'il y a déjà dans la salle du parlement? Plein de fric. Le papa pingouin. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa, le papa pingouin. Et c'est tout ce que je connais des paroles, malheureusement. Je connais pas mes classiques. Sympa, sympa. Que des trucs qui font pas flipper. Ouais, bah ouais, d'accord. Sympa ça. Street Demons. Les démons de la street. Avec un petit jukebox qui passe de la musique démoniaque. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un frigo avec des boissons démoniaques, une voiture démoniaque. Ah ouais, voiture corbeau. Bon voilà. Visite touristique terminée. Sauf que ça me dit pas comment je rentre. Bruce, tu dois me laisser t'aider. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi à Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche des indices ici qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Et arrête de me sauver la vie. Espèce de minable. Le moment est venu de lui régler son compte. Non mais franchement, je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne... l'air plus menaçant. Je suis trop lent pour le Ça faire va pas exploser. bien dans ta petite tête, Batou, si tu appuies sur la gâchette. Tu nous descends tous les deux. Bah oui, voilà. On se casse. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Je remette encore un coup de jet. Ok. Et ensuite, on se casse. Comment je suis arrivé là? C'est une porte, ça? Attends les mecs, je suis désolé, je suis un peu teubé. Voilà. Ces armes doivent être détruites. Ouais, bah. Si tu appuies sur la gâchette, tu vas nous faire exploser. En temps normal, je paierais un bon prix pour voir ça, mais on n'a vraiment pas le temps. C'est bon, on a circulé là. Fermer la porte de la chambre forte contiendra l'explosion. Pas con. Enferme pas là-dedans, je fais ce que tu voudras. T'as besoin de faire une lessive, je m'en occupe. Tu veux que j'aille dans le train, pas de problème. Je voudrais pas être. Je devrais m'éloigner du coffre. Je serai trop près de l'explosion. Briser la glace, un petit trophée de bronze. Merci, merci. Bien.
cassons-nous maintenant. Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique ? Bien, monsieur. Oui, oui, c'était inutile. Ah, voilà, c'était l'échelle. Alors, voyons un peu comment ça se présente. Dis donc, c'est une bonne vieille embuscade. Oh, oh, oh. Attends ici, Batou. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ses ennuis. Vas-y, oncle Joe. Bah ouais, bah je suis mort. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Comment on va se sortir de ce pétrin? Ne me regarde pas, je ne suis qu'une voix dans ta tête. Voilà. Où sont mes fumigènes? Pas les fumigènes. Ça ne marchera pas. Les tourelles me détecteront malgré la fumée. Ah ouais? Tu ne peux pas rester perché là toute la nuit. Va falloir penser hors du cadre sur ce coup. Hors du cadre. Ok, donc pas de... Pas de fumigène. Brouilleur. Je ne peux pas brouiller une sentinelle active. Oh. Qu'est-ce que tu peux faire? Dis-moi plutôt ce que tu peux faire, ça ira plus vite. Oh. Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Ça, j'ai vraiment choisi la Batmobile au hasard. À vérifier, trouve le corps. Non, vas-y toi. T'as dit que tu l'avais touché. Non, je me suis trompé. C'est toi qui l'as eu. T'es un sniper et moi, je suis plutôt du genre combat rapproché. Depuis quand? Depuis maintenant. Alors, on fait quoi? On attend de voir? Il est sûrement mort de toute façon. Évidemment. Il est professionnel. Il avait aucune chance. Exactement. On ferait bien d'aller récupérer notre chèque et de se tirer de cette ville. Je déteste cet endroit, il pleut sans arrêt et ça fait encore. Comment ils veulent que je monte là-haut? Le chevalier d'Arkham, ça me dit rien. Et pourtant j'étais à Arkham City. Rien ne bouge par ici! Je dois rester à portée de la commande à distance. Je dois rester à portée de la commande à distance. Bien entré.
l'impression que la nuit va être longue. Je dois neutraliser tous les hommes et les tourelles de la milice avant de désactiver le contrôle à distance. Voyons un peu comment ça se présente. Alors. Dis-donc, c'est une bonne vieille embuscade. Attends ici, Batou. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ces imbéciles. Je vais. C'est parti! Tirez! Peu à volonté, allez! Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Oh bordel, il me le montrait depuis le début. Secondaire. Il fallait que je dérape pendant 3 secondes pour ça. Au début, j'y suis allé tranquille. Je me suis dit, vas-y, je prends mon temps. Et puis, je me suis chauffé. Et je commence à faire de la merde. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je dois neutraliser tous les hommes et les tourelles de la milice avant de désactiver le contrôle à distance. Très bien, monsieur Bat. Très bien, Bossy. À tes ordres. Personnellement, j'aurais utilisé de vraies balles. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg ? Voyons. PDG de Stagg Enterprise, une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver Barbara. L'analyse très bien. Indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. Bon, bah, le prochain épisode, ce sera l'attaque. Sera détectée et prise pour cible dès l'attaque du dirigeable. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Essayez de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Bonne chance, monsieur. Très bien, merci mon petit Alfred. C'est le meilleur Halloween de tous les temps.
Ouais, grave. Choper des costumes dans une boutique. Bon bah les mecs, voilà, si merde d'avoir été avec moi, désolé d'avoir galéré à la fois sur l'ADN et sur sur la conduite de la Batmobile à la fin de l'épisode. Espérons que que le prochain épisode je retrouve un niveau assez correct. Donc on verra ça. À toutes les mecs et merci encore. Allez.